Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la note pleureuse. La note pleureuse, c'est une altération aspirée à la fin d'une phrase. Par exemple, si la phrase se termine par un 4 aspiré, je peux lui adjoindre le 4 altéré. Là, les notes étaient détachées, 4 aspirés, 4 altérés, je vais maintenant les lier. Et au lieu de jouer la note altérée aussi longue que la note aspirée naturelle, je vais jouer le 4 aspiré naturel, puis le 4 altéré, mais de manière très brève. À présent, je joue cette note altérée, toujours de manière brève, mais moins fort que le 4 aspiré naturel. Ainsi, on entend un effet et non pas réellement une note. Alors bien sûr, je joue une note, mais ce que je veux dire, c'est que on entend le 4 et puis, de manière très brève, très douce, très subtile, quelque chose qui fait qu'on a l'impression que la note pleure, en fait. C'est-à-dire que, comme le 4 altéré n'est pas joué de manière franche, avec un appui du genre... comme ça, eh bien, on entend à peine cette altération, et du coup, ça ne vient pas frotter avec l'accompagnement, ça sonne pas faux, ça sonne juste joli. Donc, évidemment, on peut faire ça sur le 3 aussi, ou sur le 2, le 1, mais aussi le 5. Pourquoi pas le 6? Enfin bref, partout où on peut altérer en aspirant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut jouer la note pleureuse. Nous allons prendre un thème de jazz pour illustrer cet exemple de note pleureuse. Pour cette fois, j'ai choisi Skylark de Hoagie Carmichael et Johnny Mercer. Je vais vous jouer le thème sans note pleureuse, puis avec la note pleureuse, puis encore une fois, avec tous les effets que nous avons vus jusqu'à présent. En fait, je vais jouer uniquement les 8 premières mesures du thème. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne sur les 8 premières mesures, évidemment, vous pourrez appliquer cette technique sur le reste du morceau et évidemment sur plein d'autres morceaux. La seule condition pour placer des notes pleureuses, c'est que la dernière note de la phrase doit être une note aspirée. Thème avec la note pleureuse uniquement. Donc à présent, je vous joue le thème avec tous les effets que nous avons vus.